Bonjour et bienvenue au chasseur français Le Mag. Nous vous souhaitons une excellente année 2018 pleine de bonnes résolutions, que ce soit en chasse, en pêche, enfin bref, pour tous vos loisirs dans la nature. Et tout de suite voyons justement notre sommaire en images. Notre premier sujet sera consacré au brocard en velours, car certains chasseurs hésitent à le tirer au cours des battues hivernales. Faut-il être pour ou contre Nous ferons le point avec notre reportage avant d'accueillir Jacques Reder, chasseur esthète et critique littéraire. Puis, Thomas Bovsluk nous présentera ses nouveautés dans le coin du Pro avant que nous n'abordions notre deuxième sujet consacré à la fin de la saison des carnassiers avec notre invité Florian Bruau. Enfin, Lucie Gillose nous décochera ses flèches enflammées. En ce mois de janvier, beaucoup de battues au grand gibier sont organisées sur l'ensemble du territoire national. À cette occasion, se pose parfois la question de tirer ou pas le brocard en velours. C'est vrai, le brocard devient animal trophée. Et alors, on se demande s'il ne faut pas le garder pour les chasses d'été. Pour en parler, nous accueillerons Jacques Reder, qui a beaucoup à dire sur le sujet. Dès l'automne, le chevreuil commence à perdre ses bois. Les jeunes brocards, quant à eux, les perdent un petit peu plus tard dans la saison. Lors de la repousse en hiver, les bois sont alors recouverts d'une peau appelée velours que les chevreuils perdent de mars à juin. Il est donc plus difficile d'identifier l'animal pendant cette période. Alors la période où le brocard a perdu ses bois, en effet l'identification est moins aisée. Par contre sur les brocards on a une corpulence qui est un peu plus massive sur le devant par rapport aux chevrettes. Et aussi eh bien, vous savez il y a la tâche qu'ils peuvent avoir derrière au niveau du postérieur avec une forme euh, de cœur pour les chevrettes et un ricot pour les mâles. Et on peut aussi voir le pinceau pénien sur euh, sur le brocard. Cette période de mue donne lieu à une controverse. Faut-il ou pas prélever les brocards en velours En effet, l'animal prélevé en hiver avec de beaux velours offrirait sans doute un plus beau trophée dans quelques mois. Alors vaste débat euh, ici dans le Bourbonnais, on n'a pas vraiment la culture de, du trophée de brocard, etc. Donc en fait, nous, euh, on s'aperçoit que beaucoup de brocards, même la très grande majorité des brocards sur le département, sont prélevés en velours ou quand ils n'ont pas de bois. Euh, pour faire simple, l'année dernière, il y a eu 2500 brocards de prélevés sur le département et seulement 300 ont été prélevés avec des bois secs. Donc euh, dans le département, on n'a pas vraiment une culture du, il y a du trophée de brocard, mais d'autres l'ont et c'est aussi une bonne chose. Ça permet de récolter de beaux animaux et de valoriser les populations de brocards qui peuvent être très intéressant sur les départements. Quoi. On n'a pas cette culture de chasse à l'approche en début de saison. Nos chasseurs chassent... D'abord le sanglier à partir de l'ouverture euh, anticipée du sanglier, puis à l'ouverture générale, et c'est qu'en fin de saison en fait qu'ils se mettent à réaliser les plans de chasse chevreuil. C'est pour ça que nous la grande majorité des brocards sont prélevés en velours et pas en bois sec. En fait, la réponse à la question est différente selon les lieux géographiques et leur potentiel de prélèvement. Ici dans l'Allier, le chevreuil ne manque pas, bien au contraire. Alors, le chevreuil dans l'allier globalement se porte très très bien. On a des belles populations avec des populations qu'on retrouve de plus en plus en plaine et des animaux qui se réunissent. Donc justement dans l'allier, on a changé un petit peu les règles d'attribution pour intégrer ce phénomène-là et on, on attribue un petit peu plus qu'on ne le faisait avant sur les secteurs de plaine. Donc dans le département de l'Allier, on n'impose pas euh, la règle des un tiers de mâles, un tiers de femelles et un tiers de jeunes. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte à l'analyse des tableaux de chasse que c'était une règle qui était respectée sans qu'on l'impose. On a ces tiers qui sont euh, prélevés euh, par nos chasseurs tous les ans. Il est toujours plus agréable de prélever de beaux trophées. Mais il serait, comme ici dans l'Allier, impossible de respecter les plans de chasse sans prélever des chevreuils en velours. Alors pour ou contre le prélèvement des broqueurs en velours... C'est avant tout une question de bon sens. Superbes images autour du chevreuil. Le chevreuil en hiver perd ses bois et les bois repoussent en velours. Alors est-ce qu'on le chasse, est-ce qu'on ne le chasse pas? Nous allons en discuter avec Jacques Reder, chroniqueur, critique littéraire, auteur d'articles, mais surtout d'ouvrages, dont le dernier. 365 histoires de grand gibier Jacques Réder, merci d'être venu. Alors, moi, j'ai tout de suite une question. Est-ce que vous avez déjà tiré des, des brocards en velours Oui. Ça, ça vous fait quelque chose de particulier Ça tirer. fait toujours quelque chose de tirer sur un animal et de tirer sur un chevreuil, parce que c'est un sympathique animal. Mais vous connaissez les règles de gestion du chevreuil trois tiers, un tiers de jeunes, un tiers de bichettes, de, bichette, de chevrettes et un tiers de, de mâles. Donc, on tire les brocards il faut les tirer pendant toute la saison de chasse. La saison peut commencer avec l'approche dès le mois de juin, elle se termine avec la fermeture générale au mois de février. Les brocards, comme vous le disiez, perdent leur bois au mois de novembre. Il faut absolument remplir et établir le plan de chasse. Qu'est-ce qu'on fait bien, Il faut continuer à tirer les brocards s'ils n'ont pas été tirés en début de saison. Alors évidemment, on dirait un brocard avec ses bois en velours. Ça fait quelque chose, on préfère, quand on est amateur de chevreuil, tirer un brocard avec ses bois dépouillés. Donc, les, de, début, de, début de saison, mois de juin, l'été ou, ou l'automne. Mais après, euh, quand on a un chevreuil, euh, voilà un brocard qui est en fin de repousse, qui date du mois de février, il euh, faut quand même le garder. Oui, C'est pitié que de mettre un, un trophée comme celui-là à la benne. Mais il y a certains taxidermistes qui peuvent proposer également de, de les retirer. Hein, en fin de saison Oui, si on, si on est en fin de saison et que le bois, puisque c'est du bois, c'est de l'os, c'est hein, une matière spongieuse, quand on est en fin de saison, le, le bois finit par être dur et on peut mais, enlever, réussir à gratter le velours, teindre le velours de bois. Voilà, voilà, le, peu, le teindre. C'est un artifice mais, un peu. Hein. C'est un peu un artifice. Je trouve qu'il faut, il faut assumer, puis ça, avoir un trophée en velours au milieu d'une collection d'autres trophées en bois-bois. Mais qu'est-ce que vous répondez par exemple à, à des personnes qui disent que si sur un territoire on, on est amené à tirer des brocarts au velours, c'est qu'on n'a pas été bon sur la, le premier tiers de la période de chasse Tout dépend, tout dépend des territoires, tout dépend des, des régions de, de France où il y a une tradition de chasser à la, avec, des, avec des chiens courants. Dans d'autres régions, on chasse beaucoup à l'approche dès le mois de juin. Bon, en début d'automne, au mois d'octobre, il y a encore une très forte végétation. Les brocards, les chevreuils ne sortent peut-être pas facilement. On sait très bien que c'est particulièrement difficile d'arriver à identifier un chevreuil, si c'est un brocard ou une chevrette, et qui passe en battue, franchit une allée, on tire derrière. Bon, c'est très très délicat. Alors, je crois qu'il faut essayer d'assumer la, la chasse et le prélèvement de, des, trois, des trois tiers et de remplir son plan de chasse avant la fin de la saison. Et pour revenir sur le trophée euh, dépouillé, Jacques, il y a quand même des façons d'identifier un chevreuil quand il a perdu ses bois. Comment on, on, on identifie, comment on fait la différence entre un brocard qui a perdu ses bois et une chevrette C'est très dur de le faire bon, à la si, course. Si, si on est tranquillement au coin du bois et que on voit, on découvre le chevreuil arriver tout doucement, se défiler devant les chiens et essayer de ruser pour passer entre deux chasseurs, on peut réussir à identifier l'animal. Il y a une question de corpulence. Le brocard a un poitrail un peu plus solide, la chevrette est plus allongée, plus fine aussi, avec une tête un peu plus, un peu plus longue. Bon, mais... Si le chevreuil arrive comme une, comme une bombe, on le voit passer et plutôt que de commettre une erreur, il vaut mieux s'abstenir. Mais est-ce qu'il y a des solutions qui ont été envisagées par les autorités compétentes Par exemple, on prend l'exemple de la Pologne où fin octobre, début novembre, les brocards... Même s'ils ont perdu, bien sûr, ils ont perdu leur bois, en tout cas la plupart. Euh, on n'a pas le droit de les tirer, c'est une interdiction formelle. Oui, d'accord. Mais dans les pays de l'Est, ils, com ils commencent à chasser le brocard à partir du mois d'avril ou du mois de mai. Donc l'essentiel du tir des brocards est fait en début de, en début de saison, enfin même avant que ne commence la saison de chasse. en en France, après, ils tirent à l'approche, la plupart du temps, et non plus ou, ou éventuellement en petite battues poussées silen silencieuse toutes les chevrettes et les, et les jeunes. S'il y avait une chose à regarder sur un un, un brocard en velours, c'est peut-être aussi ce qu'il y a en dessous sur les, les pivots qui oui. permettent de donner un, un âge. Ou où... qu'est-ce qu'il faut regarder sur un, un trophée de, de brocard en velours que, que le brocard soit en velours ou, ou non, euh, la meilleure manière d'identifier l'animal et, et surtout d'évaluer son âge, euh, c'est la dentition, hein, l'usure des molaires, ça, ça permet. À peu près, de juger de l'âge du chevreuil à un, un ou deux ans près sur, une, sur un chevreuil qui peut avoir jusqu'à une dizaine d'années. Pas la hauteur des pivots Elle ben, n'est pas indicative bon, il, il y a effectivement la hauteur, de, la hauteur du pivot, le diamètre ou la, la grosseur du, du pivot qui, donne une, enfin, qui permet d'évaluer un petit peu l'âge du, du chevreuil. C'est un âge, on dira bon, c'est un, un jeune déjà, déjà mature, ou c'est un adulte, et c'est un adulte qui est, qui est vieux. Donc, on va rester sur la bilobée, trilobée bon, en termes euh, de Voilà, voilà ah, bon. c'est tout. Écoutez, Jacques Réder, merci beaucoup. Je vais rappeler à nos téléspectateurs que vous venez de vous commettre dans cet ouvrage « 365 histoires de Grand Jibier », donc une histoire par jour. Un ouvrage à, ben, à déguster pendant un an. Vous êtes donc euh, par ailleurs critique littéraire, collaborateur et contributeur à, à de nombreuses revues. Cet ouvrage est donc euh, publié aux éditions Montbel. Puisque nous sommes dans la maison Montbel, je présente aussi Joseph de Pesquidou, Chasse et chasseurs du Sud-Ouest, une réédition de cet auteur euh, gascon, le Virgile Gascon, qui euh, est dans, dans celui-ci euh, auteur de nombreuses anecdotes. Toujours au chapitre littéraire, mais là on va être côté magazine. Euh, notre maison vient de sortir euh, Tirmag, un trimestriel consacré au tir de loisirs. Voilà, actuellement en kiosque. Jacques Reder, merci beaucoup de nous avoir rejoints, d'avoir parlé et partagé euh, vos expériences sur la chasse du brocard en velours. Merci Antoine, c'est un plaisir. Il est temps maintenant de retrouver Thomas Bovslug qui va nous présenter le coin du pro. Mmh. Alors Thomas, qu'avez-vous apporté pour ce coin du pro Alors j'ai apporté la dernière évolution de la RX Helix, donc de la marque allemande bien connue Merkel. Alors cette nouvelle RX Helix c'est la Black Phantom. La Black Phantom elle a un canon flûté, fileté, donc qui va être plus léger, qui va aider au refroidissement. Comme vous pouvez le voir au bout de ce canon, il euh, y a un filetage. On peut donc visser un frein de bouche, ce qui va aider lors des tirs à la stabilité de l'arme qui va un peu compenser aspirer le recul si l'on peut dire donc il n'y a pas d'organe de visée sur la RXLX Black Phantom et en fait sur le rail Picatinny que vous voyez là qui est un système extrêmement bien fait qui permet de mettre un point rouge ou une optique comme une lunette extrêmement simplement extrêmement rapidement quand vous allez mettre l'œil dans votre optique vous ne serez pas gêné par une bande de visée. On a aussi ce nouveau revêtement appelé Soft Touch qui va permettre une meilleure prise en main en fait s'il y a une sudation des mains, s'il y a de l'humidité lors de la chasse et qui est aussi censé être plus silencieux et qui apporte de la légèreté bien que cette carabine ait une très bonne inertie. Et elle est donc disponible en quel calibre Alors, ici, donc, comme je vous le disais, on est sur un modèle en 30,06, mais vous l'avez dans des calibres fort connus qui sont usités beaucoup par les chasseurs français, comme le 764. Vous l'avez en 270, vous l'avez en 338, et vous l'avez aussi dans des calibres magnum, comme le 7RM. Mais dans les calibres magnum, ici, on va être sur un chargeur donc, de 5 coups, et sur les calibres magnum, on va être sur un chargeur de 3 coups. 3 coups, d'accord. Voilà. Et donc, dans un ordre de prix de. Pour le 3006 qui est ici, c'est un ordre de prix de 3600 euros. Merci Thomas. Maintenant, on va passer à la pêche. Alors, Antoine, je vous présente une nouveauté de 2018. C'est une canne qui est destinée au voyage, euh, mais des voyages qui peuvent être dans toute la France. C'est une canne Nomad Travel de chez Berkeley. Donc, c'est une 4 brins qui est extrêmement légère. Je vous laisse le constater. Elle fait. En effet. 188 grammes. Très, très bien équilibrée par ailleurs. Voilà. Alors, ça, c'est une canne d'une puissance de 15-40 sur laquelle on pourra mettre un moulinet de, de 4000, par exemple. Je vais vous montrer qu'elle se euh, démonte extrêmement euh, simplement, cette cadre brins. Voilà, très rapidement. J'ai vu qu'elle était grande, hein, 2 mètres 40. 2 mètres 44, exactement, sans trop forcer. Comme vous avez pu le constater, sa légèreté est due à. À euh, l'alliage de carbone dans lequel euh, elle est faite, donc avec euh, en plus un blanc extrêmement résistant, des matériaux extrêmement euh, modernes. Donc cette canne, ça c'est le modèle 804, mais vous l'avez aussi dans d'autres modèles pour pêcher à ultra léger ou pour aller chercher d'autres puissances. Donc il y a une gamme où il y a plusieurs cannes. Jusqu'à des son... poissons trophées, Jusqu'à des poissons trophées pour des pêches exotiques, donc euh, c'est un modèle assez intéressant. Dans quel ordre de prix public Alors ça c'est une canne, euh, ce modèle-là spécifiquement est à 125 euros. Euh, donc, euh, on pourrait dire que c'est une entrée de gamme, euh, mais à 125 euros pour le, le matériel que je viens de vous présenter, c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Thomas, ben, je vous invite maintenant à découvrir notre deuxième sujet consacré à la fin de la saison de la pêche aux carnassiers, avant d'accueillir notre invité Florian Bruot, qui parlera lui des produits qui l'accompagnent. Janvier annonce la fermeture de la pêche au carnassier. Pour bon nombre de pêcheurs, c'est encore le moment de s'offrir de belles émotions dans tout l'Hexagone. Nous nous sommes rendus en Camargue. Ici, les différences de température sont moins flagrantes que dans le nord du pays. Mais comme partout en France en cette saison, il est indispensable d'adapter ses techniques de pêche et de se poser les bonnes questions si l'on veut obtenir de bons résultats. Oui, voilà, la, la, la pêche du carnassier, ça peut rester des, des pêches basiques. Après, euh, il faut quand même se poser des questions par rapport aux zones où on pêche, la turbidité de l'eau, aux profondeurs dans lesquelles on circule, la vitesse de l'eau, parce que si c'est dans un courant ou pas, le temps, y a eu, comme aujourd'hui, on a eu des vents à plus de 100 à l'heure. Euh, il faut savoir s'adapter à tout ça. Donc après, il faut jouer sur la tresse. Euh, au niveau du poissons nageurs, il faut des poissons qui plongent très rapidement. Parce que, quoi qu'il arrive, on risque d'avoir une forte dérive si on pêche en bateau. Donc, il faut que vous arriviez à prospecter la zone qui vous intéresse le plus rapidement possible, tout en gardant une, même, une vitesse de récupération relativement lente. Pour inciter les poissons à venir taper dans le leurre et que vous ayez eu le temps de, de prospecter la zone proprement. Ensuite, pour ce qui est euh, du leurre souple, bien entendu, il faut pêcher avec de la tresse pour justement avoir un contact direct avec le leurre souple. Évitez justement avec la, la dérive, si vous avez du vent comme aujourd'hui, euh, de vous retrouver avec une bannière tendue et à partir de là, le poisson va taper, mais il va sentir une certaine retenue dans le leurre et il va recracher aussi sec. Et là, euh, c'est automatique. Le loupé est automatique dans ces conditions. Ah en cette saison, dans la mesure où ils sont adaptés à votre lieu de prospection, tous les leurs sont permis. Il faut néanmoins privilégier des tailles un peu plus importantes. Les carnassiers sont encore pas très profonds et pour les faire bouger, il vous faudra plutôt privilégier des leurs plongeant mais pas trop plombés. Ils vont, ils vont tourner entre 8 et 12 mètres, donc ce n'est pas la peine de pêcher excessivement lourd. Et par contre il faut commencer à augmenter la taille des leurres au niveau de leur souple. Des gros battoirs, quelque chose qui a de la vibration. Et là les, les carnassiers vont avoir plus tendance à taper dans le leurre par agressivité que par faim, on va dire. Ce qu'il faut faire c'est que justement quand on est en plein hiver, ça dépend si c'est une petite rivière comme celle-ci. Où les poissons ne seront pas forcément très profonds. On va se décaler légèrement des bordures et on va pêcher avec des de texans parce que, bon, euh, ce sont des leurs quand même qui peuvent... Quand il y a beaucoup d'encombrement dans les des arbres, des, des brèches et de la roche, euh, etc., vaut mieux pêcher en texan. Vous allez avoir plus de ratés. Parce que justement, le texan, il est fait pour passer en entier, il est fait pour passer entre les obstacles. Mais le problème qui va se passer, c'est que les brochets auront tendance à taper dans le leurre, quitte à déchirer le leurre. Et une fois sur deux, voire une fois sur trois, ne vont pas se piquer. Mais au moins, vous aurez de la touche et puis vous commencerez à vraiment faire bouger les gros carnassiers. Quoi qu'il arrive, on peut toujours attraper des poissons. Il faut juste se remettre en question, avoir confiance dans ce que l'on fait. Euh, rester avec de certaines bases. Euh, on a, dans la pêche, il y a des basiques dans tout. Euh, C'est pas évident d'aller à la pêche euh, et d'attraper du poisson tout le temps. Euh, par contre, euh, on peut être régulier dès l'instant où on se remet en question constamment. Quels que soient les milieux prospectés pour le carnassier, il vous faut donc en cette fin de saison faire davantage de recherches. Et quels qu'en soient vos résultats, le dernier dimanche de janvier, il vous faudra ranger votre matériel et attendre le retour du printemps pour vous consacrer à nouveau. À votre passion. Eh bien, nous venons de le voir dans ce reportage. Quand la pêche des carnassiers touche à sa fin, elle devient de plus en plus fine. Florian Bruot, bonjour. Bonjour. Vous êtes commercial dans le domaine halieutique, vous défendez différentes marques à l'attention des pêcheurs, mais vous êtes d'abord un passionné de la pêche du carnassier. Alors, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette fin de saison de la pêche des carnassiers Est-ce que c'est vraiment si différent du, du reste de la saison On parle d'une pêche plus difficile, plus fine. Qu'en est-il exactement ben On va se retrouver donc à aller chercher nos partenaires de jeu habituels dans des, dans des conditions qui sont plus difficiles, hein, l'hiver étant bien là, les eaux sont plus froides. Le poisson étant un animal à sang froid, il va être bien sûr moins actif. Donc, on va se retrouver avec des, des créneaux d'activité qui vont être beaucoup plus restreints et des poissons qui vont être également plus difficiles à leurer. Comment il vit quand ça se passe son quotidien de, de poisson il, il reste dans son coin, il attend, il ne fait pas d'efforts. On est quand même pendant les mois d'hiver, pendant des très bons mois pour pêcher le carnassier, puisqu'on va vraiment être sur des, des poissons qui vont être regroupés derrière les, les boules de nourriture, hein, puisqu'en hiver les herbiers sont tombés, le poisson blanc du coup a tendance à se regrouper en banc, et donc donc les carnassiers se retrouvent naturellement derrière leur nourriture. Donc c'est une pêche qui va être un petit peu plus facile lorsqu'on aura localisé les bandes blanches. On va du coup retrouver nos carnassiers derrière ces bandes blanches. Mais alors Florian, comment on fait pour les bouger, ces poissons léthargiques Alors on va utiliser donc des animations, déjà encore une fois, des animations assez douces. Là, je vais prendre un exemple, que ce soit sur la pêche du, du cendre euh, ou du brochet. On va quand même ralentir vraiment les, les animations, puisque, les os, encore une fois, les eaux sont froides, le poisson a un métabolisme plus lent. Et une des premières clés pour moi, ça va être d'augmenter la taille de nos leurres tout simplement parce que le poisson euh, va devoir dépenser de l'énergie pour venir attraper sa proie et donc il ne se déplacera plus sur les petites proies comme, euh, comme ça peut être le cas en, en plein été sur des alvins On va vraiment passer sur des tailles de, de proies plus importantes. Vous avez amené d'ailleurs quelques spécimens, vous allez nous les ouais. présenter peut-être Oui, ouais. donc euh, c'est typiquement euh, des, des leurres qu'on utilise pour la fin de saison. Donc là on est sur des, des leurres qui vont, qui vont nous permettre de rechercher ici le cendre, euh, donc euh, dont un des poissons les plus recherchés en période hivernale et qui ne, ne fera pas peur… Donc, plus pour faire bouger des perches, D'accord. Donc il faut vraiment pour une taille pas... quand même conséquente. Bien sûr. On, on augmente la taille, la taille des, des leurs hein, pour, pour motiver le poisson à se déplacer malgré, euh, malgré un environnement qui n'est plus aussi favorable qu'en plein été. Est-ce que le pêcheur de carnassiers en fin de saison est toujours aussi guerrier qu'en début À la chasse, par exemple, on, on voit que les chasseurs quand la, la, la fin de la saison de chasse approche, bah, ils disent vivement que ça, ça s'arrête. Hein. Est-ce que le pêcheur de c'est la même chose ou pas Est-ce qu'il est toujours… Bah, ?– J'ai envie de dire que c'est vraiment le moment pour aller faire un gros poisson. Hein. – Les poissons même Les poissons trophées, on va avoir la chance d'avoir, bah, encore une fois, des éléments climatiques, une crue, etc. qui va des fois déloger ces gros poissons de leur poste de prédilection, de leur poste qu'ils connaissent bien, les mettre donc dans des postes qui seront souvent plus près des bordures, à l'abri du courant. Et, euh, et c'est vraiment l'occasion d'aller chercher un gros poisson. Et on, on essaye vraiment jusqu'au bout d'aller chercher ce poisson trophée. La saison est vraiment, vraiment idéale pour ça. Donc non, non on ne lâche rien jusqu'au bout et, et on fait le poisson trophée avant euh, la fermeture. Florian, outre les leurs souples, on peut aussi utiliser des leurs durs pour aller déloger les carnassiers, notamment s'ils sont léthargiques dans le fond. Qu'est-ce qu'on va privilégier Alors là, encore une fois, selon le poisson auquel on va s'adresser, pour moi, pour, en période hivernale, le cendre, on va le rechercher au souple. Il est très peu actif, posé au niveau du fond. Donc là, l'idéal, c'est de lui présenter un leurre souple pour le déclencher. Par contre, effectivement, les pêches de, de perche, de brochets, elles vont, vont très, très bien, ces poissons vont très bien réagir au leurre dur. Donc on va adapter les leurres qu'on va, qu va leur présenter au poste qu'on va avoir devant nous. Mais encore une fois, on va, en fin de saison, proposer des leurres assez volumineux euh, on va utiliser du leur suspending, hein. on, peut bien, on peut très bien utiliser des leurres suspending euh, si le profil de votre poste s'y prête. L'intérêt étant de, justement de ce leurre suspending, de pouvoir faire des très longues pauses et permettre à votre carnassier qui a été, qui, que vous avez euh, agacé avec les vibrations de, de venir sur une proie qui va descendre lentement, de se rapprocher et, euh, et encore une fois, euh, de se rapprocher tout doucement et, et d'attaquer, de pouvoir focaliser son attaque. Mmh. Donc non, on va pouvoir utiliser les leurres durs, au contraire, ne les oubliez pas. Euh, ça reste des, vraiment des, des leurs qui, qui vont vous permettre aussi de battre du terrain très rapidement. Si vous arrivez sur un poste que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas localisé les blancs et la tenue des, des carnassiers, le fait de pêcher un peu plus rapidement au poissons nageur va vous permettre de battre du terrain rapidement et de, et de trouver ces fameux, ces fameux groupements de blancs et, de, et de, de carnassiers. Merci beaucoup Florian pour toutes ces explications, pour ces précieux conseils hein, qui vont profiter à nos téléspectateurs. Je vous rappelle donc que vous êtes commercial dans le domaine halieutique. Euh, et vous nous avez apporté quelques nouveautés que les téléspectateurs pourront découvrir, je pense, directement à l'antenne. Encore merci de votre venue. Merci à vous. Il est temps maintenant de retrouver notre rubrique des flèches emplamées avec notre nouvelle collaboratrice, Lucie, qui va les décocher tout de suite. Bonjour Antoine. Tout d'abord, je voulais vous dire que je suis vraiment ravie d'intégrer l'équipe du chasseur français Le Mag en ce début d'année 2018. Je suis moi-même passionnée de chasse et de pêche. Est-ce que vous avez profité des fêtes de fin d'année pour déguster du gibier Parce que figurez-vous que c'est la tendance en cette fin d'année. Peut-être est-ce lié à une remise en question de nos modes de consommation suite au récent scandale alimentaire. En tous les cas, le gibier s'est retrouvé sur de nombreuses tables, que ce soit des tables de chasseurs passionnés, mais aussi de curieux, gourmands, attentifs à leur manière de se nourrir. Et ça tombe bien, puisque les populations de grands gibiers. Ne se sont jamais aussi bien portés dans nos forêts françaises. En 40 ans, je ne sais pas si vous le saviez, mais les prélèvements de cerfs ont été multipliés par 8, ceux du chevreuil par 9 et ceux du sanglier par 12. Donc la ressource est vraiment disponible. Et pour finir, je vous propose de noter deux dates dans votre agenda. La première, celle du deuxième salon Lire la nature, qui aura lieu au musée de la chasse et de la nature à Paris le 20 janvier. C'est un événement gratuit et familial. De nombreuses activités seront proposées aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Vous pourrez également en profiter pour jeter un œil à l'exposition temporaire intitulée Beau doublé, Monsieur le Marquis, qui est une sorte de cabinet de curiosité avec une très belle collection d'animaux empaillés. Et pour les passionnés de pêche, je vous propose de vous retrouver du 12 au 14 janvier au Carrefour National Pêche et Loisirs à Clermont-Ferrand à la Grande Halle d'Auvergne. C'est le rendez-vous numéro 1 pour les passionnés de pêche en France. Du matériel de pêche à la protection des milieux aquatiques, en passant par les bateaux ou le tourisme, vous y retrouverez tout ce dont vous avez besoin. Je vous propose également de venir nous retrouver sur le stand du chasseur français car, bien sûr, nous vous y attendrons. Notre émission touche à sa fin et nous espérons que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Le mois prochain, nous nous rendrons à Cournon d'Auvergne pour le célèbre Carrefour National de la Pêche où Thomas Boslug, notre envoyé spécial, vous révélera toutes les nouveautés présentes sur l'exposition. Mais d'ici là, avec Thomas et Lucie, nous vous souhaitons de profiter pleinement de la vie grandeur nature.